à partir d'un compte bancaire ou d'un compte de monnaie. La SEG a tout d'abord augmenté le nombre des sites auprès desquels les abonnés EDAN peuvent payer leur électricité, ainsi que les jours d'ouverture et également les plages horaires d'ouverture. Tout récemment, nous avons encore augmenté cette offre de proximité en intégrant les cybercafés et les épiceries au réseau de vente EDAN. Aujourd'hui, la SEG souhaite exploiter le potentiel nouveau offert par des solutions de paiement sécurisées permettant d'effectuer, au moyen d'un simple téléphone mobile, des règlements pour des services à partir d'un compte bancaire ou de ce qu'on appelle un compte de monnaie électronique. Les abonnés EDAN, porteurs d'un téléphone mobile, qu'ils aient un compte bancaire ou qu'ils n'en aient pas, pourront ainsi régler l'électricité EDAN sans avoir à se déplacer. Dans cette démarche novatrice, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, la BICIG, a été retenue dans un premier temps pour la mise en place et l'exploitation du service mobile EDAN. Cette démarche traduit la volonté de la SEG d'intégrer dans ses activités courantes les nouvelles technologies disponibles pour une gestion plus efficace. La SEG a retenu dans un premier temps la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, BICIG, pour la mise en place et l'exploitation du service appelé Mobile EDAN, en permettant aux utilisateurs de régler l'électricité EDAN où qu'ils se trouvent et à toute heure. Mobile EDAN permettra à la SEG de franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de la proximité et la disponibilité du service. La particularité de cette solution est d'être multi-opérateur et accessible quel que soit le modèle de téléphone et ne nécessite aucune transformation du téléphone ni installation de logiciel. Fort de cet avantage, la BICIG a répondu à l'appel d'offres lancé par la SEG en quête d'une solution pour élargir l'éventail des modes de paiement offerts à sa clientèle. Aujourd'hui, la BICIG et la SEG unissent donc leurs compétences pour simplifier l'achat des unités aidantes dans un premier temps. Ainsi, grâce à BICIG Mobile, la BICIG va permettre à la SEG d'améliorer la qualité des services qu'elle propose à ses abonnés EDAN. C'est la raison de la convention que la BICIG et la SEG signent ce jour, vendredi 15 novembre 2013, et dont l'objectif reste de permettre aux abonnés EDAN de recharger leurs unités à partir de leur téléphone mobile. Cette convention permettra d'une part à la BICIG de mettre en avant un autre avantage de son produit BICIG Mobile, à savoir le paiement de factures par téléphone mobile, et d'autre part, permettre à la SEG de répondre à des problématiques de proximité avec ses abonnés et d'amélioration de la qualité de ses services. Comme nous aimons à le dire à la BICIG, avançons ensemble avec confiance et sérénité. A noter que cette opération est multi-opérateur, il suffit de taper étoile 838 dièse pour avoir accès à un compte BICIG.